Économie et société avec Simon-Pierre Savard-Tremblay. Bonjour, bienvenue et merci d'être à l'écoute de cette émission. C'est Simon-Pierre Savard-Tremblay au micro de Économie et Société sur les ondes de Radio-VM. Un grand nous a quittés cette semaine. Je parle bien entendu de Bernard Landry. Si je ne m'abuse, c'était mardi matin que nous avons appris le décès de M. Landry. Moi, d'ailleurs, je vous raconte que je devais aller le voir prochainement. Puis la veille, on m'a appelé pour me dire que finalement, M. Landry, son état s'était dégradé et qu'il ne recevait plus de gens et qu'il était confiné à sa chambre. Mais que ça arrive aussi vite, on pouvait difficilement s'attendre à ça néanmoins. Mais bon, écoutez, ainsi va la vie. Il faut quand même néanmoins se rappeler, nous comme peuple québécois, l'importance de ce personnage-là. Et c'est pourquoi, avec mes invités qui l'ont bien connu, vont nous en parler un petit peu aujourd'hui. J'ai donc Gilles Duceppe, chef du Bloc québécois de 97 à 2011 et en 2015. Brièvement, oui. Mais efficacement. Mais efficacement, merci d'être avec nous. Oui, ben ça, rappelez-vous, 1 287 000 personnes qui ont appuyé. Alors ça, on doit ça à un autre immense personnage. Et celui que vous entendez en ce moment, c'est Rémi Trudel, anciennement ministre de l'Agriculture et des Affaires municipales sous M. Landry. Oui, tout à fait, et de la santé. Et de la santé, oui. On dit que vous aviez d'ailleurs un rapport privilégié avec M. Landry, que vous étiez quand même dans les amis du boss. Là. Oui, on était les amis du boss, mais peut-être dire d'entrée de jeu qu'il y avait beaucoup de monde qui était le grand ami du boss. Oui. Mais et c'est une caractéristique de ce grand homme-là. Je ne sais pas encore aujourd'hui où est-ce qu'il trouvait toute la capacité, ne serait-ce que physique, d'accorder autant d'attention à autant de monde. C'était extraordinaire. Par exemple... Ben pour quiconque le connaissait, c'est un personnage assez chaleureux, mais étrangement, dans la population, il passait comme étant froid, voire hautain. Il avait déjà fait ce constat-là comme... Ça, c'est le paradoxe. Mais c'est juste une chose. On a beaucoup dit... Gilles Duceppe a été chef de parti. Il sait comment... C'est quoi l'importance de prendre soin du caucus des députés. Hein? C'est tout un... C'est toute une mission, ça. Hein? Oui, monsieur. Et gérer les égos, oui. Gérer les égos, les orteils, comme dirait M. Parizeau, là. Eh bien, Bernard Landry avait aussi cet art des relations humaines pour tenir le caucus ensemble. Hein? Quand on a là, 60, 65, 70 autour de la table, avec autant de petits, de grands égos, alors il faut travailler fort, il faut travailler constamment. Il avait toujours l'art de tenir ensemble son caucus. Et vous, Gilles Duceppe, relation de chef à chef, ça ressemblait à quoi? Parce que j'imagine quand même, malgré tout, qu'un chef d'un parti d'opposition qui traite avec un premier ministre, ça peut pas être comme si c'était complètement le même pied d'égalité. Oh, ça l'était. Oui, Avec Bernard. Oui. Ouais. Bernard cherchait pas une médaille. On voulait travailler ensemble. Du gouvernement du Québec, quand même. Oui, mais il reste que c'était... Et c'était comme ça aussi avec Lucien Bouchard. Moi, c'est les deux que j'ai connus. Et je veux vous dire, j'ai travaillé avec Jean Charest aussi. Oui. Parce que quand il y avait des consensus à Québec, ben, ça veut dire que tout le monde t'a pour, unanimité, là. Oui. Plus qu'un consensus. On t'a pas pour ne pas parler au premier ministre des Québécois et des Québécoises quand il y a unanimité à l'Assemblée nationale. C'est notre devoir de travailler ensemble, on le faisait, clairement. Mais Bernard, on s'était connus, nous, en 68. D'ailleurs, j'ai vu à la télévision... Oui, il y avait des photos où vous étiez négociateur pour le mouvement étudiant. C'est ça, puis lui, il était conseiller de Jean-Guy Cardinal. On remet à 68. Donc, Jean-Guy Cardinal, ministre dans le gouvernement de l'Union nationale c'est ça, à ce moment-là. Ministre de l'Éducation. Alors, c'est là qu'on s'est connus. Et par la suite, Bernard a fait tellement de choses. Et je vais vous dire, j'étais au courant de toutes ces choses-là. Mais quand j'ai lu les journaux le lendemain de son décès, de les voir là, sur deux pages, toutes ces choses-là, ça m'a frappé. Comment il peut faire autant d'affaires dans la vie? Même si je le savais, on dirait que je ne le réalisais pas. Tu sais, il a enseigné dans combien de pays d'Afrique? Il a enseigné au Mexique, ouais, il a enseigné en Chine, moi, en France, il a enseigné ici. Je devais aussi aller le voir. Là. On avait convenu de le voir, puis c'est pour la même raison. Mais j'étais en Tunisie. Bien, imaginez-vous, j'enseigne en Tunisie pendant 8 jours, 10 jours, en fait. Mais j'entends parler de qui en Tunisie? Bernard Landry, qui a enseigné, donné des cours à l'Université de Tunis. Moi, je suis dans une autre université, là. Mais ça décrit bien là, l'immensité de ce personnage. L'immensité de ce personnage sur des facettes, mais tellement nombreuses qu'on a comme de la misère à trouver quelle est la grande ligne directrice. Bien, la grande ligne directrice, il y en a une. Hein. Ça s'appelle le mot patriote. Oui, tout ça à fait. Le mot patriote. Et son attitude, moi, on s'est vu il y a un mois, là, un peu moins qu'un mois. Ça devait commencer à avoir dérapé là, à ce moment-là. Physiquement. Il y avait toute sa lucidité. Oui. On avait eu de belles conversations ce soir-là. Et Chantal s'en est occupée de façon extraordinaire jusqu'à la fin. Ça faisait depuis juin qu'il ne pouvait pas sortir de la maison, il était en chaise roulante, continuellement branché sur l'oxygène.
Or, ça, c'était pas facile, mais ouais, de malgré fois, ça... Fois qu'on là, le voyait, on sentait que c'était ouais, c'était pire. Mais on a eu des discussions là, où il était complètement là. Ouais. Et là, on le regardait, puis il nous a dit, « Ouais, mais vous m'a regardé, là, je sais ce que vous pensez, mais il y a des choses plus difficiles que mon état dans la vie. » Il y a des gens qui vivent des choses plus difficiles. Fallait ça, le dire. Ça, c'est Bernard Landry. Ouais, ça, c'est Bernard Landry. Toutes choses étant relatives, il y a des gens qui vivent dans la pauvreté. Il y a des difficultés. C'est bien pire que mon état. Moi, j'ai quelqu'un pour m'accompagner. J'ai des enfants. Je me souviens que par orgueil, il voulait pas mettre, au début, il voulait pas mettre sa bonbonne d'oxygène. Ouais. J'étais allé chez lui au printemps dernier, puis c'est Chantal Renaud qui était obligé de le chicaner pour lui dire. Puis là, il dit à un moment donné, il dit ouais, mais je veux pas passer pour un vieillard. Mm-hmm. Et Chantal Renaud de lui dire, mais t'es un vieillard. Il y a une chose qui est remarquable dans tout ce qu'on entend depuis 48 heures. Là. On dirait qu'il y a comme un sentiment profondément ancré. On ne voulait pas que le personnage disparaisse. Oui. On ne voulait pas que le personnage disparaisse. On était tous au courant là, pour des grands cercles là, qui avaient, bon, écoutez, les difficultés de santé qu'il vivait assez graves. Mais on n'était pas capable de s'imaginer que ce personnage immense-là allait quitter la scène. On voulait qu'il reste là. Puis quand on disait, on le voyait, ou quand on disait, il y a tout garder sa tête, de garder ses facultés. Ben, on avait une petite espèce de petite flamme dans notre tête qui disait, ben, il partira pas. Il partira ouais. pas. On n'a tellement pas envie. Et ça, là, ça donne de l'âme au peuple. Ça donne de l'âme au peuple. Je suis convaincu d'une chose, c'est non seulement, là, on va s'en souvenir, bien sûr, là, mais il faut et que la parole de Bernard Landry, ce qu'il a été dans notre pays, là, ce qu'il a été, eh bien, que ça continue d'être un élément de croissance et de développement. Les choses se font souvent par spirale dans nos vies. Hein? On pense que et ça fait plaisir à quelques-uns, on pense qu'on retourne en arrière, mais attention, ça remonte. Ça remonte avec des facteurs nouveaux, des énergies nouvelles, et on va puiser dans cette spirale-là, dans l'énergie, la capacité, la lucidité et la connaissance, l'immense connaissance de ce personnage. Mais moi, je disais aux gens, en 89, là, il y a peu de monde qui avait confiance que là-dessus, hein? Oui, mais justement, vous qui avez eu accès à M. Landry dans les derniers temps, c'est pas des temps faciles pour le mouvement souverainiste. Il a donc pu voir les derniers résultats le 1er octobre du Parti québécois. Publiquement, c'était un éternel optimiste. Est-ce que c'était pareil en privé également? Oui, il disait, on va trouver quelque chose. Il faut. D'abord, il faut, parce que c'est ça. Donc, si on se dit, il faut, c'est ça la solution. Parce qu'on est clair, après analyse, que c'est ça la solution, puis moi je pense que c'est la solution. Pas parce que je haïs pas le Canada, là, mais moi je regarde ce qui se passe avec les francophones hors Québec, c'est l'assimilation. Hein, c'est pas 2,7 millions qui sont là. Si on prenait ce genre de calcul-là, il y aurait 4 millions d'anglophones au Québec. Fait que ça marche pas. Et c'est malheureux, parce qu'on a travaillé étroitement, nous, avec les Acadiens et les francophones hors Québec, mais force est de constater que c'est l'assimilation en langue. Si on fait rien d'ici 3-4 générations, ben ça fera une nation de plus qui disparaîtra dans l'univers, puis c'est pas bon. Parce que ce qui fait la beauté du monde, c'est la diversité. Dans la mesure qu'on croit ça, on se dit, ben, il faut faire quelque chose. Tu sais, Vigneault, je parlais des années 89, Vigneault me disait, je suis rendu que je ne faisais plus de spectacle au Québec tellement que j'étais découragé. J'en faisais ailleurs. Et une année après, un ministre fédéral important comme Lucien Bouchard devient chef d'un parti souverainiste. Qui prédisait ça quelques mois auparavant? Personne. La souveraineté, il n'y a même plus de sondage sur la souveraineté. Donc, oups, passe en haut de 60%. Je ne dis pas qu'automatiquement, ça va se faire. Mais je trouve dans l'histoire de l'humanité... Oui, parce qu'il n'y a pas de Mike Mitch à l'horizon. Dans l'histoire de l'humanité, il y a peu de choses surprenantes, mais beaucoup de choses inattendues. C'était pas surprenant que le mur de Berlin tombe. Mais pourquoi en novembre 89? Ça, c'est inattendu. Oui. Mais, à votre question, est-ce qu'il y avait le même discours en privé ou en public? Quant à moi, oui. Oui. Il avait absolument le même discours. Il n'était pas découragé de son peuple. Il convenait qu'on peut avoir quelquefois des retours en arrière, mais dans l'humanité, dans l'histoire des peuples, il y a de ces détours. Hein, comment on l'appelle le grand historien Jean-Baptiste Vico de l'Italie, le grand historien. L'histoire s'écrit par corsi et ricorsi. C'est-à-dire qu'on fait des retours en arrière, en apparence, mais subséquemment, il y a quelqu'un qui se pointe, un Lucien Bouchard. Mais ça tient pas juste à la personnalité là, des hommes et des femmes. Ça tient au fait que ça fait 350 ans que dans ce continent-là, on dure et ce serait comme un accident de l'histoire, la question ne serait pas, ne trouverait pas sa solution parce qu'il y a eu comme une divergence au niveau du vote populaire. Non, non. Ça, il va apparaître quelque chose. Il ne faut pas faire appel à la pensée magique, bien sûr. Mais les idées, comme il dit dans son dernier souffle, je dirais, la question de la nation qui se donne un pays, c'est une question de dignité.
C'est pas qu'une question économique, c'est pas qu'une question culturelle, c'est une question de dignité des personnes. Nous sommes des francophones, les Gaulois de l'Amérique du Nord, et ça, ça ne sortira pas de l'âme du peuple, non, au contraire. Des événements malheureux comme celui qui nous arrive avec la disparition de Bernard Landry, ce sont des événements pour ranimer de la flamme, une petite flamme, et puis qui va grandir, pas juste le personnage de Bernard Landry, mais des personnages qui vont apparaître au fil de l'histoire. Et il disait même, il ne me l'a pas dit à moi, mais j'ai lu dans les reportages qui ont eu lieu, là. Il dit, je ne suis pas complètement découragé de François Legault, disait-il. Ouais. Je ne suis pas complètement découragé. Pourquoi? Parce qu'il dit, il y a une petite flamme, il s'appelle encore nationaliste. Ah, et là, quand il va avoir travaillé avec le gouvernement fédéral, Gilles connaît ça, là. Qu'est-ce que c'est de travailler avec le gouvernement fédéral? Eh bien, la petite flamme nationaliste, elle va peut-être se transformer dans le temps à un autre niveau de décision pour le peuple québécois. Vous êtes toujours à Économie et Société sur les ondes de Radio-VM avec Simon-Pierre Savard-Tremblay, de même que mes deux invités du jour, Gilles Duceppe, chef du Bloc québécois de 97 à 2011 et, brièvement, à 2015, ainsi que Rémi Trudel, ministre dans le gouvernement de Bernard Landry. Alors, on a l'impression que M. Landry, étant donné que vous étiez également des intimes de M. Landry, on a l'impression que s'il y a quelque chose qu'il gardait sur le cœur, qui avait l'air de vieillir de manière très amère avec ça sur le cœur, c'était sa démission de 2005. Gilles Duceppe, vous étiez chef, vous étiez même présent au congrès où moi, j'étais présent le vendredi. Oui, d'ailleurs, on vous attribue un rôle dans son faible score. Monsieur, totalement erroné, ça. J'avais demandé... fait un discours, ça. Ben oui, j'avais fait un bon discours. J'essaie pas d'en faire des mauvais. Et j'avais demandé à Bernard Ravel, j'avais fait 25 minutes, je pense. Oui. Au lieu de 20, là. Mais je vais vous dire, quand on invitait nos amis du PQ, quand on leur donnait 20 minutes, c'était plus proche de 40 que de 20. Donc, j'avais pas de texte. Je vais dire à Bernard, moi, je parle uniquement des compétences fédérales, ce que j'avais fait. Et en disant, tiens, un bon discours, je réchauffe la salle, ou si tu veux quelque chose d'ordinaire, je te présente. Il dit, vas-y. J'y étais. Si tu veux. Et Bernard a fait une erreur dans son discours ce soir-là, c'est que il savait qu'il y avait des tendances dans le PQ, puis il voulait aménager les uns et les autres. Donc, il n'a pas fait un discours pour gagner, il a fait un discours pour ne pas perdre. Mmh. Mais malgré tout ça, il y a 76%. Mmh. Il aurait dû rester. Moi, dès lors que j'ai su ça, j'étais de retour à Montréal. Donc, c'est pas trop faible, 76? Ah, non. Lucien Bouchard avait eu ça en... quatre ans pour l'avant. C'est ça. Alors, moi, j'étais... je m'en allais en tournée le dimanche, Mont-Laurier, Mont-Tremblant, puis l'Outaouais. Donc, j'étais chez moi le samedi soir. Quand j'apprends ça, j'ai appelé tout de suite Bernard. J'ai dit, voyons là, Bernard, ça n'a pas de maudit bon sens. J'ai appelé Louise Arel, j'organise un caucus d'urgence. Dites-lui de rester. Louise était prête à faire ça. Et là, j'ai reparlé à Bernard. Après ça, j'ai essayé d'y parler, mais j'ai pas pu. Les communications étaient coupées. Je ne sais pas qui c'est qui est coupé, mais en tout cas, j'ai pas pu. Il aurait dû rester parce que le PQ est en avance d'un sondage à ce moment-là. La souveraineté est à 55%. Il y avait tout pour rester. Vous aviez 54 sièges à Ottawa. Le gouvernement Charest était très impopulaire. C'était la commission Gomery. Donc, il y avait toutes sortes de... Tout à fait. Pourquoi, d'ailleurs, vous n'êtes pas plusieurs vous ont vu plonger dans la course à la succession de M. Landry à ce moment-là? Pourquoi vous n'êtes pas allé? Ben, je vais vous dire, c'est que c'était un gouvernement minoritaire à Ottawa. Oui. C'est Paul Martin qui était là. Oui. Si moi, je m'en allais, il n'y a pas d'élection au Québec avant un petit bout, là. Et ça veut dire que, parce que même Jacques Parizeau était venu me voir pour que j'y aille. Bernard, on avait été en vacances ensemble l'année précédente. Il m'a dit, si je pars, il faut que tu cesses à toi par la suite. Mais je me suis dit, si je m'en vais de là, Paul Martin peut déclencher rapidement. Le seul que je voyais, c'est Michel Gauthier pour perdre la relève pendant un petit bout de temps. Mais il arrêtait bon d'une campagne. Oui. Et il voulait pas assumer ça tout le long. Il y avait des difficultés en anglais, ce qui est pas chose facile à Ottawa quand ils avaient des difficultés en anglais. Mais il aurait pu avoir un autre chef qui serait apparu, un plus jeune, dans l'année qui suit. Mais beaucoup d'employés du parti ne voulaient pas travailler avec Michel, toutes sortes de raisons. C'est une erreur, moi j'aurais dû y forcer. Mais tout cela pour dire que, avant tout, c'est que Bernard aurait dû rester. Mais moi, je n'étais pas pour mettre en danger notre vote à Ottawa. Il aurait dit, regardez ce gars-là, il s'en va. Puis il n'y a même pas d'élection au Québec, il n'assume pas ses responsabilités. C'était pas bon le mouvement souverainiste, ça. Rémi Trudel?
Chez Bernard Landry, là, on va avoir une émission de 2 heures ici pour aligner toutes les qualités qu'il avait, cet homme-là. Mais il avait, faut le dire aussi, il avait un défaut. Son impétuosité. Mmh. Et son impétuosité, c'est-à-dire que c'était un homme tellement de décisions que parfois, à plusieurs occasions, il n'évaluait pas comme faux les conditions dans lesquelles il était, puis il prenait une décision parce qu'il était enthousiasmé, ou encore qu'on le conseille dans telle direction, comme par exemple, il y a eu des gens dans son cabinet pour lesquels il était tellement enthousiasmé qu'il ne posait pas de questions sur d'où ces gens-là venaient, etc. Tu étais compétent, ça lui a joué les tours. Hein? La même chose au caucus des députés. Il entendait quelqu'un parler d'une question avec enthousiasme ou un enthousiasme débordant, il achetait l'idée et il pouvait faire une déclaration au journaliste en sortant du caucus sans avoir préalablement annoncé. Pourquoi? Parce qu'il était emporté par son enthousiasme, son impétuosité, et ce qui était une immense qualité pour les militants devenait comme un défaut sur le plan politique. Donc sa démission, ça serait à voir un peu là-dedans? Ça tout à fait. Là, je le connais bien. Lui a toujours blâmé son entourage pour ça, en disant... Gilles connaît bien qui était dans la chambre, là, quand on l'a conseillé. Ben 76%, là, surtout que le premier élément de référence pour prendre une décision rationnelle, si je peux parler comme ça, là, ben c'était le score obtenu par Lucien Bouchard, 4 ans auparavant. Oui. Il n'y avait pas de raison. Par ailleurs, ben, il fallait aussi être capable... Il faut les lire, les péquistes, là. Faut les lire comme il faut, là. Hein? Ce sont des gens d'humeur, ce sont des voix, ils sont très vocales. Ils avaient perdu en 2003, on avait mangé une volée, on a perdu le pouvoir, on ne voulait pas le perdre. Puis là, bon, ben garde bien, là, ça prenait un sauveur, absolument. Et c'était pas Bernard Landry qui était en cause. C'était, on veut avoir un immense personnage qui va nous permettre de rebriller au ciel. Il n'y en avait pas à l'horizon pour autant? Non, mais la fin... Monsieur Duceppe, on dit... Non, mais même à ça. C'est pas parce qu'il y en avait un qui aspirait. C'est, on veut du neuf. On veut du neuf. Mais il y avait aussi certains qui disaient, on veut lui donner une petite leçon que ce soit pas trop ça aussi. Alors, me semble-t-il qu'avec une circonstance, puis on les a énumérées précédemment, des circonstances aussi favorables, il aurait dû avoir le record du chef avec le plus haut score, compte tenu des... Mais s'il était revenu, là, tous ceux qui voulaient lui donner une petite leçon, là, parce qu'il était pas content, ils disaient, on pensait jamais qu'il était parti. Il aurait été très heureux qu'il reste. Moi, ça m'est arrivé aussi de prendre une décision, d'un coup, de dire, je me suis trompé. Ben comme quand vous étiez lancé à la succession d'André Boisclair. C'est ça, puis c'était une erreur. Mais plutôt que d'attendre 2 mois pour le dire, faire perdre du temps au monde, j'ai pris la décision le lendemain, j'ai dit c'est fini, je me suis trompé. C'est ça. Moi, j'ai l'air fou, j'aime autant avoir l'air fou que de l'être. Fou un jour plutôt qu'un mois. Que de l'être longtemps. Et puis j'ai remis la décision entre les mains des députés puis la direction du parti. Si vous voulez en trouver un autre, je suis prêt à partir, c'est votre décision, mais c'est pas moi qui apprends. Et on dit reste. Je reste là, on a gagné l'élection. Bon, c'était l'épreuve de sa vie à Bernard d'avoir pris cette décision-là envers et contre les circonstances. Et c'est vrai qu'il l'a regretté, mais ce qui est encore remarquable, c'est qu'à travers ce grand regret, ces grands regrets-là, il n'a jamais fléchi d'une seule seconde sur la profondeur de sa pensée au niveau de la souveraineté et de l'indépendance. Il n'a jamais failli. Non. Une seule seconde, il n'a pas pleurniché sur les épaules de n'importe qui, sur la sienne, soit, peut-être, mais pas sur les autres. Et il n'a jamais mis la faute sur les autres non plus, vous avez remarqué, hein? Même si on sait que, bon, il aurait pu, humainement parlant, là, blâmer du monde de son entourage, il ne l'a jamais fait. Ça, c'est la caractéristique de la grandeur de ce personnage. Moi aussi, j'ai travaillé très intensément avec Bernard sur la paix des braves. La paix des braves. C'était l'ultime dossier avec l'ultime conclusion. Bernard, non seulement il avait l'impression, mais il a fait en sorte de se comporter comme un pays, hein, de nation à nation, une entente de nation à nation. T'sais, il dit à Ted Moses, est-ce que c'est toi le chef de la nation CRI? Oui. Est-ce que tu reconnais que moi, je suis le chef de la nation québécoise? Oui. Alors, donc, on peut négocier de nation à nation. Les CRI, là, ils sont aussi soumis à la loi sur les Indiens du gouvernement fédéral, là. Mais cet espace-là pouvait être occupé de pays à pays, si j'ose l'expression. Ils ne sont plus soumis, je pense. Ils ont réglé ça. Oui, ils ont réglé ça, vous savez comment? Par la paix des braves qui était reconnue à Ottawa. Exactement. Par la force des choses. Exactement. Mais c'était la première fois que qu'un chef CRI appuyait un parti politique. Oui. Puis oui. En plus, Oui, mais il y a eu une deuxième fois, c'est dans le vice-président du président du Bloc dans le comté de Joliette. Oui. C'était Paul-Émile Ottawa.
Ah oui. Il était militant du Bloc. Chaque fois, j'avais dit, pour une fois qu'Ottawa n'a plus de Bloc. Mais sur la paix des braves, Bernard a demandé Are you Canadian or are you Quebecer? No, yeah. I'm a Cree. Yeah, I'm a Cree. Puis Bernard a dit, mais moi, je ne suis pas un Cree, je ne suis pas un Canadien, je suis un Québécois. Ouais, c'est ça. Et là, c'est le dernier débat qu'on a eu ensemble, on n'a pas eu le temps de finir de le régler. Je disais à Bernard, on devrait, en bout de ligne, changer le nom de l'Assemblée nationale. Et j'expliquais pourquoi, parce que j'ai dit, regarde là. Les nations, tu les as reconnues, écrit, c'est pas leur Assemblée nationale. Non. Okay. J'aime autant vivre d'un Québec souverain que le gouvernement du Québec qu'une Assemblée nationale dans l'intérieur du Canada. Je dis ça, mais pas parce qu'on n'existe pas comme nation, on est la nation principale, hein, avec le nombre et l'histoire et tout. Mais il y a ces nations-là qu'on a reconnues, puis on est seul au Canada à avoir reconnu Première Nation, c'est René Lévesque, 17 mars 85. Puis les Inuits, Louise Arel, c'est une héroïne chez les Inuits. C'est pas des réserves, eux, ce sont des municipalités. Ah, on a fait des pas énormes. Si on faisait ce pas-là aussi, ça changerait la vision de plusieurs qui se disent qu'on a le nombril, on a la tête dans le nombril. Absolument pas. On est ouvert sur les autres. Puis si les anglophones, les francophones du Canada avaient même droit les anglo-québécois, ce que Lévesque avait à faire, oui. Ça serait le bonheur total chez les francophones des Acadiens et dans le reste du Canada. Vous êtes toujours à Économie et Société pour le dernier segment de cette émission. C'est Simon Biassard-Tremblay au micro de Radio-VM. De même que mes invités, Rémi Trudel, ministre dans le gouvernement de Bernard Landry, et Gilles Duceppe, chef du Bloc québécois, notamment en même temps que M. Landry était chef du Parti québécois. Alors, c'est une émission, comme vous l'avez vu, on voit pas le temps passer, ça passe très vite, surtout parler d'un homme comme ça, on se demande difficilement par où commencer parfois. Mais quand on vient à une émission comme la vôtre, on se prépare et on a des messages à passer. Alors là, depuis tantôt que je calcule, je dis comment est-ce que je vais passer mon message? Bon, ben allez-y. À l'égard de la paix des braves. Oui. C'est tellement un monument pour Bernard Landry que là, il faut faire en sorte qu'à la ville de Montréal, on enlève le nom de la rue Amherst et qu'on change le nom pour la rue de la paix des braves. Oui, la rue de la paix des braves. Quelqu'un qui a posé un geste génocidaire envers les Autochtones, envers la nation iroquoise qui était sur place. Et là, on a une occasion. Bernard Landry me l'avait demandé d'ailleurs. Comme chef du Bloc, j'ai dit ça, vous étiez contre le changement de nom de Amherst. Non, je t'approuve. Ah oui, moi, je proposais pas, puis je propose toujours pas la paix des braves. On pourrait avoir un pacte, la paix des braves, sur Amherst. Ouais. Mais moi, je vous proposais qu'on dit à Yonk. Pour démontrer qu'il y a des Autochtones qui existaient aussi. Oui. Tu sais, si Amherst, là, qu'on honore, moi, j'enlèverais ça au plus sacrant. Oui. Mais c'est Condiaonk. Ça. Et puis, faire remarquer aussi que la question de la partition du territoire québécois s'est terminée avec l'entente des Autochtones aux Nations Unies. C'est fini la partition, parce que c'est à l'intérieur des territoires reconnus. Puis moi, j'y ai travaillé avec les chefs autochtones canadiens et québécois. Mm-hmm. Ils le savent fort bien, c'est l'article 46.1. Et ça n'est plus de partition. Plus de partition. Non, c'est ça. Mais reconnaissance du droit à l'autonomie à l'intérieur des frontières reconnues. Alors ça, on a du chemin à faire encore, mais on a fait plus au Québec que ça n'est fait ailleurs. Mais si le signal, je dirais, pour le Montréal et le Québec francophone, ça c'est l'expression que j'ai employée, Québec francophone et le Québec au total, hein, le signal de donner la paix des braves à une rue pour longtemps, il faut un lieu. Le message est passé. Ouais, puis qui se bouge, la ville de Montréal, là, qui se bouge. Je sais pas si Mme Plante nous écoute en ce moment, mais en tout cas, le message est passé. Ça devait être fait l'année passée. Il y avait eu des engagements de prix. Christian Picard était au courant, moi également. Mais que Mme Plante reprenne le dossier où M. Coderre l'avait laissé. C'est ça. Bon, ben, exact. Le message est passé. Maintenant, vous aviez... vous parlez donc de la paix des braves, mais M. Landry a aussi un héritage économique très fort. C'est aussi un grand bâtisseur de l'État québécois. Un visionnaire. Oui. Mais est-ce que, selon vous, il s'est longtemps vu numéro un, mais il l'a été très peu de temps. Toute sa vie, ça a été l'éternel numéro deux, l'éminence grise de plusieurs premiers ministres avant. Est-ce que c'est quelque chose qui l'attristait? Moi, je pense... Bernard, là, c'est pas quelqu'un qui courait après médaille. Moi, d'ailleurs, je dis que... Il s'est lancé à la chefferie en 85, il a renoncé, donc ça faisait longtemps qu'il arrivait. Si vous aviez demandé, tout comme si vous me demandiez, est-ce que moi, j'aurais bien aimé mieux qu'on gagne le référendum de 95, j'aurais jamais été chef du Bloc, mais c'était bien plus important de gagner le référendum. Je demandais à Bernard, aurais-tu mieux aimé gagner le référendum, jamais être premier ministre d'un Québec souverain? Il aurait dit oui également. C'est ça qui comptait.
Ça part recherche des médailles. Non, non, bien sûr, bien moi, sûr. Moi, je dis souvent des, ceux qui recherchent les médailles, vous savez, il y en a qui en ont tellement qu'ils marchent penchés. Non, effectivement, mais faut dire, faut il dire... reste que quand même, il a aspiré à ça longtemps. Il s'est déjà lancé dans une course. Mais pour faire quelque chose. Oui, pour avoir une médaille. Je ne dis pas le contraire, mais je veux dire, par là, être l'éternel numéro 2, est-ce que c'est quelque chose qui l'attristait selon vous? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que on lui a toujours confié les rôles de numéro 2 pour bâtir l'ensemble du Québec. Pourquoi il est devenu ce personnage au niveau économique immense? Ben, c'était le super ministre du gouvernement Bouchard. Oui, bon, ben, c'est parce que ça reflétait ses capacités et éventuellement les réalisations qu'il a fait. Et quand il est devenu ministre des Finances et du Développement économique, là, c'était dans les premiers, là, hein? On fait le développement en même temps que les finances, et l'ensemble des responsabilités, ben ça, là, c'était... Il regrettait pas de ne pas être chef, d'autant plus qu'avec ses chefs, Lucien, M. Parizeau, c'était l'alliance la plus solide qu'on puisse imaginer. Il n'y a jamais eu l'espace d'une feuille entre ses premiers ministres et lui-même. Et ça, c'est encore là, on n'en finit plus de décrire les qualités, la loyauté de cet homme. Ouais. La loyauté de cet homme, absolument sans faille envers ses premiers ministres, même si lui... Oui, bien sûr, il aspirait parce qu'il avait des capacités, des possibilités de faire de grandes choses au-delà de ce qu'il était, avec tout ce qu'il a fait. Hein? Jamais il a porté ombrage à l'un ou l'autre. Sauf peut-être ce qui est apparu à l'époque comme un petit peu d'ombrage en disant « Moi, je ne veux pas le chef de la brigade légère qui va aller à la grève. » Oui, ça, M. Parizeau ne l'avait pas non, trouvé non. drôle, mais c'est déjà malheureusement le moment du mot de la fin. Fait que je vais vous laisser conclure sur l'homme, ce qu'il faut retenir de l'homme, Gilles Duceppe. Moi, on peut résumer Bernard Landry en quelques mots. C'est un homme de conviction, un homme d'action, puis un homme de passion. Conviction, passion, action. Oui. Et c'est pourquoi on a toujours vu qu'on dit que c'est un grand, ça a été un grand ministre au plan économique, un grand premier ministre au plan économique également, mais jamais il n'est intervenu dans ces domaines-là en ne pensant pas à la culture. C'est exactement un homme de culture. Et dans ce contexte-là, il doit tenir dans notre histoire collective une place là, prépondérante. Il faut qu'on soit capable de l'utiliser au bon sens du terme pour faire grandir la nation comme lui l'a fait grandir. Alors voilà qui conclut cette émission, qu'on pourrait dire émission spéciale sur M. Landry. On aurait tellement pu dire de choses, on aurait pu revoir sa carrière de fond en comble. D'ailleurs, il existe une biographie, pour ceux qui veulent en savoir plus, qui commence à avoir vieilli un peu, mais c'était à l'époque où M. Landry était premier ministre. Ça s'appelait Le Grand Dérangeant. C'était par Michel Vastel. C'est très journalistique. C'est pas, disons, un livre de la qualité des tomes de Pierre Duchesne sur Jacques Parizeau, mais ça demeure quand même un bon aperçu de la vie de l'homme. Il y a aussi les écrits de M. Landry qui sont trouvables. Il y avait eu un collectif qui s'appelait La Cause du Québec, je crois, qui est un recueil de discours et d'articles de M. Landry. Il y a aussi ce livre avec Alain Chaperon, qui est un livre d'entretien qui s'appelle Bernard Landry, l'homme fidèle, qui donne un bon aperçu. Lancé il y a 2 ans, je pense. Lancé il y a 2 ans, oui, exactement, environ. Alors, c'est malheureusement, il faudra conclure là-dessus. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur M. Landry, il y a donc une foule d'informations qui sont disponibles. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Simon-Pierre Savard-Tremblay au micro de Radio VM à Économie et Société. Merci M. Trudel, merci M. Duceppe, merci chers auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste. Au revoir.